Yo. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, je n'ai plus de voix. Vous m'excuserez. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo pourquoi je n'ai plus de voix. Mais du coup, on se retrouve dans une vidéo trop hâte. J'avais trop envie de la filmer. Je pense que j'en filmerai d'autres dans le même bail. En fait, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait en fait sur ma chaîne, c'est une semaine avec moi au campus. Donc vous étiez nombreux à me demander. Enfin, vous me questionnez tout le temps sur mon école, ce que je fais. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener toute une semaine avec moi, de comment je m'organise grosso modo, etc. Et comment se passe grosso modo mes cours. Sauf que, comme à mon habitude, je pense que vous le savez, j'ai oublié de faire un storytelling. Donc si vous savez pas ce que c'est le storytelling, c'est en fait je vous explique, je me pose et je vous parle et je vous explique ce que je fais. Non, moi je vous montre juste. Mais le problème c'est que oui, moi je sais ce que je fais, je connais le contexte, mais vous connaissez pas le contexte, vous savez pas. Du coup je vais vous faire un vide débrief avant la vidéo. Du coup ça va faire environ un mois que je suis entrée à mon école. Donc IAG Luxury Management, donc c'est une école de commerce, de luxe à l'international. Sauf que je vous ai pris dans une semaine un peu plus cool. C'était une semaine de workshop, donc je sais pas si vous savez ce que c'est ou pas les semaines de workshop. Je sais pas si c'est spécifique entre guillemets aux écoles privées ou si en fac il y a ça, je sais pas du tout. Mais c'est un petit peu comme des séminaires. Je saurais pas comment vous expliquer en fait. C'est pas mes cours normaux, genre c'est des semaines un petit peu spéciales. Donc là, c'était la première fois que je faisais ça. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et du coup, on a eu un premier séminaire. J'ai vraiment plus de voix, c'est terrible. Premier séminaire pendant les trois premiers jours, lundi, mardi, mercredi. Donc c'était des journées assez chargées, c'était 9h, 18h. Et en fait, le but c'est qu'on a des intervenants, donc c'est pas des professeurs, c'est des intervenants qui viennent d'un peu partout. Donc là c'était deux intervenants qui venaient de Paris. Thème entre guillemets de l'atelier, du séminaire, c'était Solpedine. Du coup Solpedine c'est un petit peu les outils, j'ai envie de dire, comme Excel, Word, Canva, les outils un petit peu de créa qu'on peut utiliser dans le domaine de la com, etc. Et du coup en fait bah voilà, ils nous ont guidés pendant 3 jours et à la fin des 3 jours on avait un travail entre guillemets à rendre. Donc on y a été progressivement. La première matinée ils nous ont demandé de reproduire une de magazine. Ensuite l'après-midi ils nous ont laissé dans l'île pour aller entre guillemets interviewer des maisons de luxe pour voir comment ça se passe au niveau du merchandising, au niveau de l'image qu'ils veulent envoyer de la marque, etc. Super intéressant. Le lendemain pareil on a travaillé sur la création d'une marque, donc on a dû créer notre marque, prendre les valeurs, prendre une typo, vraiment créer un univers de marque. Donc on a travaillé ça sur toute la journée, on a aussi créé un site web. Et le troisième jour c'était entre guillemets dédié à notre travail qu'on devait rendre à la fin du workshop. Donc là c'était faire une brochure, donc grâce à tous les éléments qu'on avait pu découvrir pendant les 2 jours précédents, c'est de réaliser une brochure pour l'école, comme si vous étiez au salon de l'étudiant et qu'il y avait une brochure pour représenter l'école. Il fallait donner envie, du coup il fallait créer ça, donc quelque chose d'assez créatif, assez design, aussi un contenu intéressant dedans. Donc voilà ce qu'on a fait pendant les 3 premiers jours. Et par contre, je l'ai pas dit, mais dans un mois du coup on doit rendre un peu la conclusion de ce workshop. Donc c'est une sorte de, je dirais pas une synthèse, mais voilà, un dossier à rendre de 10 pages qu'on devrait aussi présenter à l'oral, expliquant nos choix, etc. Donc ça va être un truc assez lourd. Et du coup les 2 derniers jours on a fait un deuxième séminaire. Donc là c'était le dessin sous toutes ses formes. Alors au début j'ai vu ça, je me suis dit oula, pourquoi on apprend le dessin en marketing de luxe? En vrai c'était assez sympa, on a appris pas mal de choses, c'était assez créatif. Je pense c'était vraiment pour développer notre créativité. Donc le premier jour c'était un peu boring, c'était juste de la théorie un petit peu sur le dessin, l'origine de comment ça s'est fait, comment ça évolue au fil du temps, etc. Et le deuxième jour par contre on avait une sortie au musée de l'art abstrait, donc à Villeneuve d'Ascq, là. En vrai c'était sympa, c'était, ça changeait d'habitude on va dire. Et l'après-midi on avait on se serait cru en art plastique en fait, on devait créer une lettre. En fait je vous spoil hein, tout ce qu'on va faire, mais c'est parce que vraiment je vous ai rien expliqué hein, durant la vidéo. En fait on a dû créer une lettre résumant ce qu'on a fait, ce que la dame nous a présenté le matin même au musée. On devait l'écrire dans la lettre, mais sous forme petit. En fait, c'était un mail art. Donc, si vous savez pas ce que c'est le mail art, c'est une technique où, exemple, les soldats pendant la guerre, quand ils envoyaient, exemple, des lettres à leur famille ou quoi que ce soit, ils faisaient des dessins au niveau de l'enveloppe, au niveau de la lettre pour illustrer un peu tout ça. Mais en fait, c'était ça. Se baser sur un thème et quelque chose de créatif et de beau à voir et d'original pour garnir justement cette lettre. Voilà, je vous ai spoilé ce qu'on a fait pendant toute cette semaine. Mais au moins, vous serez un petit peu plus situé. Donc, tous mes cours ne se passent pas comme ça. Mais là, c'est une semaine exceptionnelle, un petit peu de séminaire. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire, aussi mes potes, aussi moi quand je rentre, ma petite routine aussi par rapport aux cours. En fait c'est une semaine dans ma vie d'étudiante, en fait voilà c'est ça le bail tout simplement. Je prends un masque, mon téléphone, je suis grave en retard en plus. On se parti. Je filme, j'ai et une semaine au campus avec moi. Du coup toute la semaine j'aurai ma cam. Ah c'est trop cool. Du coup il va falloir agrémenter tout ça.
Ouais. Alors, t'expliques pour ce qu'on fait, Chabé. Alors, on doit recréer ça, la couverture de ce magazine. Et franchement, on y arrive plutôt bien, je crois. En plus, c'est sur Word, on doit utiliser que Word. C'est trop chiant. Tu essaies d'avoir ta grosse tête. Ah non. Stop. Tu peux pas. On est censé interroger des gens. Les autres sont partis dans une boutique de luxe. Et oui. Bah comme on y a déjà été ensemble, ça sert à rien. On a un peu la flemme d'y aller. On n'a pas envie de faire le truc qu'on doit faire. On veut s'avancer sur le projet parce qu'on a un workshop à rendre dans 2 jours. Il y a trop de trucs à faire. Trop beau. Ouais, c'est trop beau. C'est quoi là? Mais moi je veux... Ok. Donc là, l'ESG et le luxe ont une même culture. Ouais, mais depuis 50 ans, la numéro 1 école post-bac sur le critère à proximité avec les entreprises, édition 2021. Bah, on commence à faire la deuxième page. Ok, ouais. Du coup. T'as mis quoi comme photo? T'as trouvé des photos? Alors, oui. Vous avez eu les résultats ou pas? J'ai eu les résultats. Vous pouvez nous les donner? Je vais les donner à tout le monde tout à l'heure. On ne veut pas avoir un avant-goût? Non. Ok. C'est quoi le travail qu'on va devoir faire après? On va prendre un moment pour échanger un peu sur où vous êtes allé, ce que vous avez ressorti, etc. Genre totalement. Il y a des titres, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les titres, les sous-titres et tout ça. Je nous présente, je dis, alors nous on est étudiants à l'ISG Luxury Management, j'en ai une qui rigole. Ah, okay. Donc déjà tu poses des bases. Elle rigole et elle roule des yeux. Voilà, je lui dis, ah bah vous y étiez? Elle rigole. Je lui dis, bon ça s'est passé comment? Et je lui dis en rigolant, est-ce qu'on a un avenir? Elle dit, bah tu vois où j'en suis? Bah voilà, vous allez jamais y arriver. Elle nous a dit, si vous voulez réussir un jour dans la vie, c'est dans le luxe, c'est soit aller à Paris, soit aller à l'étranger. J'essaie de remonter le moral à Emma. Mais écoute, non mais c'est ce que... Parce que attends, du coup j'ai dit, bon Emma, tu sais quoi? On va aller faire d'autres magasins, on va aller demander ce que les gens ont fait comme étude. Donc on demande ce qu'ils ont fait comme étude. Non, je suis désolée, on n'a pas fait votre truc. On a fait un peu votre truc du coup, mais on était tellement dépités, j'avais une gazelle sur les bras qui était au bord de pleurer. Non, elle a fait que 3 ans de bachelor. Donc déjà, si on fait un master, on a peut-être une vie. Non, elle a ouais, que déjà, elle a fait S-Mode 2 ans et elle a fait ISG 1 an. Mais S-Mode c'est nul, attends, c'est pas la même chose. Du coup, ils nous disent, bah franchement, on est venu se plaindre. Hein. On leur a dit, écoutez, on est dépité, je crois qu'on va arrêter l'école. Donc, etc. Ils nous ont dit, mais non, faut pas se décourager, c'est une personne sur je sais pas combien d'anciennes élèves. Une personne, ça se trouve, elle est pas rentrée dans le moule, ça se trouve, elle a pas eu des bons stages, elle a. Mais attends, déjà, elle s'est arrêtée au bachelor. Tu vois, si tu t'entends pas avec ton personnel, oui, forcément que t'es mal vu. Elle part la prochaine. Donc, il va balancer à Emma, ouais, bah tu vas pas réussir ta vie. Donc, Emma, elle est prête à aller en STAPS avec son mec. On est allé chez Swarovski, on a rencontré un jeune garçon qui est en études à l'IESEG. Bon, on est rentrés, on a fait bonjour, on est aux études. Ouais. Il nous a dit, alors moi, je suis encore étudiant, je fais mon mémoire. On était prête à pleurer devant lui. Hein. Et puis, il nous a dit, mais non, mais pas du tout, l'école ça compte pas. De toute façon, à la fin, vous avez tous le même diplôme. Enfin, un diplôme, ouais, c'est mais un diplôme. Je vais dire un truc, ce qui compte vraiment, c'est les stages, c'est les... C'est ce que j'ai dit, c'est les stages, c'est la personnalité. Parce que même chez Maj, la fille nous a dit, moi je prends pas des personnes qui ont bac plus 4 ou quoi. Elle m'a dit, je prends par rapport à la personnalité. Et de toute façon, si on réussit pas, on réussit pas ensemble. Bon, enfin, c'est bien de travailler d'équipe. Bref, moi j'ai ça, mais juste adoré. Donc, ça c'est dans votre groupe. Ah, mais j'ai voté pour moi. La première, c'est pas. Elle dit pour vous. Très studieuse. Ouais, ah oui, oui. Date de cette journée. C'était trop fun. C'était vachement bien et c'est passé super vite. Bah, toute la semaine, on fait 9h-18h. C'est trop ça. Et on a 6 étages à descendre. Descendre, ça va. Monter, c'est pas compliqué. Bon, il est déjà 17h50 et j'ai englouti mon porridge. J'avais trop faim. Et là, je suis en train de réviser parce que la semaine prochaine, on a un petit exposé sur le talon. Enfin, on a plein d'exposés en fait, on en a 4. Le plus important, c'est celui sur le talon. Du coup, je suis en train d'apprendre ce que je dois dire. J'ai pas grand chose à dire. Mais au moins, ça sera fait et voilà. Il est 18h30 passé, c'est l'heure d'aller à la salle parce que j'ai pas été ce matin. Oula. Du coup, petite bouteille, serviette, mon canon et tout. Et c'est parti.
Clairement, voilà, mon repas pour ce soir, il est 20h45, j'étais à la salle, etc. J'ai fait de l'elliptique, ça va, il n'y avait pas trop de monde. Mais voilà, demain j'irai au matin. Je n'oublie pas mon réveil cette fois. Sauce salsa, tomate, falafel, radis, pousse mongo et des sortes de wasabi nuts. Et j'ai préparé ma lunchbox pour demain. Et j'ai fait la même chose, que j'ai plein de trucs à finir dans le frigo. Par contre, Instagram ne fonctionne plus. Aussi que je bosse ce soir un petit peu sur les cours. Je me suis piquée par le stick, c'est trop mal. J'ai fini de manger, etc. Et là, je vais lire un peu parce que on a un livre à lire en code du luxe. Ça s'appelle Luxury Attitude. Mais du coup, je l'ai acheté sur internet. Vous savez, sur iOS, il y a l'application livre et on peut acheter des livres. Du coup, je l'ai acheté dessus parce que je me suis dit que ça serait plus simple. Déjà, c'est moins cher. C'est quand même 20 euros le livre. Et qu'au moins, je l'aurai tout le temps vu qu'on doit faire des recherches dessus et que mes recherches j'ai sur mon ordinateur. Au moins, je pourrais directement prendre dessus. Tout ça pour dire que je vais le lire. Bon, clairement, le bouquin, je dois l'avoir fini dans 2 jours, il fait 230 pages. Je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, c'est un fait. Oui, mais certes, voilà, ça en déduit ce que ça en déduit, je crois. Pensez à Cléa et faites une pause boisson. Dans ses vidéos, elle dit toujours faites une pause boisson. Du coup, je fais la pause boisson. Le rush, mardi matin, il est 8h30, ce matin j'étais à la salle et tout, je suis vraiment contente. Peu du mal à démarrer, j'étais un petit peu en retard. Porridge, basique parce que j'ai plus rien chez moi. Et il est 8h35 je crois et je dois être partie dans 10 minutes. Et je crois que je vais pas faire d'efforts vestimentaires et physiques aujourd'hui pour aller en cours, parce que j'ai pas le temps. Plus basique, je meurs genre, juste flocons d'avoine, pâte à tartiner protéinée. Je suis pas motivée à aller en cours aujourd'hui, j'ai envie de faire des trucs pour moi, prendre soin de moi. Il te reste 2 euros. je crois que j'ai trop mangé. Sans sucre, à base. Chocolat au lait. Si, chocolat au lait, c'est ça, je pense. T'as pris combien? 40 centimes. C'est pas cher. Hein. Ah, mais moi j'ai besoin d'un coup en plus ils sont pas chers, c'est 4 ans. Là-bas, au Inter, c'est 1 euro. Normal. Non, je prends pas de. Non. Je prends pas de coca. Red Bull, t'as bien la Red Bull. Trop de sucre. Non. Non, mais Red Bull. Ah si, Red Bull en soirée. Genre vodka, Red Bull. Ouais. C'est ça. Là. T'as pris quoi, toi? M&M's. Ça fait trop longtemps que j'ai. Moi j'ai envie d'acheter des crunchs. Ah, hier, tu sais pas ce que j'ai mangé? Des wasabi nuts. Tu connais? C'est quoi? Je connais pas, c'est en fait des petites boules, genre des cacahuètes, genre comme ça. Et t'as du wasabi sec dessus, c'est craquant. On fait une marque avec son storytelling, son logo, 2 produits. Et c'est hyper cool à faire parce que du coup on fait tout la création, le design et tout. Ouais, et cet après on va créer le site, c'est ça, ouais. Une page internet. Et voilà, c'est notre projet workshop de la journée. Vas-y, c'est une marque pour enfants. Waouh, vous avez beaucoup d'histoires. C'est du prêt-à-porter enfant. Rosalie, Charlie. Waouh. J'aime trop votre musique. J'ai mon petit bébé, ma caméra. Alors, c'est trop bien ce qu'on fait, j'adore cette chute. Alors, c'était laquelle? C'était ça. J'adore notre sac, il est trop beau. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une brochure qui soit autonome.
Je suis rentrée, il est presque 13h. J'ai un bouton qui s'est percé, du coup je saigne. Terrible. Trop bien parce qu'il nous laisse sortir avant de base. J'ai qu'une heure pour manger, donc impossible de rentrer chez moi. Mais là, il nous laisse sortir à 12h30. Lunchbox aujourd'hui, plus basique, y a pas. Je sens que je vais être malade, genre vraiment. Un petit wrap, en fait, c'est exactement pareil que de ce que j'ai mangé hier. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, je m'en vais. Je filmais pas. Voilà, c'est bon, je filme là. Mais putain, comment t'as vu que je filmais? Montre notre public. Montre notre public. Mais attends, je zoome. Allez, chacun fait. Voilà, arrose. Mais Clara, ils ont dormi. Sympa. Ouais, tout le monde. Les fans, n'importe quoi. Les collègues, en fait. C'est ça, quand on est étudiant, on prend n'importe quoi. Comme Rose, n'installez pas l'application. Parce que ça travaille dur. Vraiment, ça travaille très, très dur. Ma vie. Ça va, t'as pas posé beaucoup de questions. Ouais, non, elle est pas du tout. Elle avait notre première collection. Donc, tout d'abord, nous avons notre Richard Sweet. Bonsoir, je viens de déposer un peu minute. Ouais. Oulou. C'est bon. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Je suis rentrée, j'ai été chercher un panier exquis avec une copine rose. Bah, je vais vous faire un haul, ce que j'ai eu dedans. Pour ceux qui savent, tout le tout gauche, toujours aussi fan, même si ça faisait longtemps, j'en avais pas fait chez exquis parce que à chaque fois, c'est pas mes horaires. Un risotto au poulet, ça a l'air très bon. J'ai eu un petit bagel à la truite. Ça, à mon avis, c'est soit de l'ananas ou des pastèques, enfin des fruits. Et ça, c'est salade de chèvre, tout ci, tout ça, bref, une salade composée. Trop, trop bien. Et j'en ai eu pour 4,50, donc trop bien. Même si j'avais plein de trucs à finir dans le frigo. Il est 18h10 et je suis fatiguée. Épuisant de se lever à 6h30, d'aller à la salle, de faire toute une journée de cours et après avoir encore plein de choses à faire. C'est pas grave. J'ai vraiment une déterre. J'ai jamais eu ça. Vraiment, c'est terrible. Typo rich comme à mon habitude. Je dois partir à 45 chez moi et je suis toujours pas habillée et tout, mais voilà, on prend le temps de déjeuner. Deux pommes. Oui, deux pommes. Tu vas faire les rouges ou les... Les pink lady et les granny, c'est délicieux. Je préfère les vertes. On visite le campus. Ah ouais. En fait, je vais faire une vidéo, je vais pas faire une brochure. C'est ça. Visite du campus. Oh là là, il y a trop mal. Ça va mieux, Sixteen? Ouais, bien sûr. Ça dérange pas de passer dans la vidéo? Non, pas du tout. Nickel. Je suis trop... Elle est en train de nous raconter son intoxication alimentaire. Ah, c'est une intoxication alimentaire, okay. Vas-y, bah, j'arrive à 18h. En tant que néophyte, tu vois. Of the day. Ouais. C'était un truc que j'ai eu en vacances. Ok. Et c'est une jupe Jennifer. Des bottes. Je sais pas la marque. Ah, que j'ai eu à 10 balles. Voilà. Et des collants. Je sais pas la marque. Et toi, Lisa, vas-y. Moi, je l'ai déjà dit. Alors, moi, c'est un pull Zara. Un pantalon Zara. Des Converse comme des garçons. J'adore, c'est des jupes. Et rose. Pull H&M en promo, jeans Zara et des Doc Martens en promo, attention. Moi c'est un sweat de chez Thierry Mugler, un pantalon de chez Naked recyclé et des chaussures des Adidas Forum. J'ai mangé ma pizza que j'ai eue hier, je sais pas s'il y a une sauce. Ça a l'air trop bon. Là j'ai des modifications à faire pour une marque, donc en même temps je vais faire du montage que de manger. On économise le temps, lol. En plus je commence à être malade, le temps c'est la tempête dehors. J'ai aucune foi pour m'habiller, c'est... sympa. En plus on a déjà fini le travail qu'on devait faire toute la journée, on l'a fait en une matinée. Non, tu ressors trop bien, t'as un truc trop beau. Ah, tu fais chier le monde. La meuf joyeuse là. Mais je rigole. On a tous les tris ici.
saison parce que nous on trie dans les cours. Tu vois, quand je suis en soirée, j'envoie Snap dans le groupe de la promo, tu vois. Ah, on sait, hein. On vous aime, les gars. Ouais, genre, c'est pas. C'est souvent quand vous je suis. Vous avez rappelé l'ascenseur. Il en a rien à faire. Ouais, ouais. Louis, il est trop concentré dans son truc. Vas-y, vas-y, continue. Je sais plus ce que c'était avant, arrête. On dort encore. Pire le matin. J'ai mon oreiller tout là. Là. Je me suis réveillée en retard. J'avais la trace ici là. Et je me suis dit ça partira jamais. 19h30, j'ai plus de gorge, je suis malade, j'ai l'impression que je suis tout le temps malade dans mes pieds. J'ai avoir une angine, je sais pas quoi faire, ça me saoule, j'ai pas de médecin sur l'île en plus. Et mes parents sont partis au Portugal. J'arrive pas à me motiver à réviser là, mon exposé sur le talon. Je connais, mais faut que je révise un petit peu, tout au moins, genre un tout petit peu. Je suis excitée, mais j'ai pas envie de réviser, ça m'énerve. Regarde, t'es trop belle. Et il y en a un. En s'entraînant à imiter le réel, donc par exemple par le dessin d'observation ou le dessin de mi qui permet après de faire du dessin académique, c'est vraiment lié à notre station debout au fait qu'on marche sur deux pieds et non pas sur quatre qui a permis. Non, c'est vrai, ce matin c'était pas foutu. Là, on va chez Paul pour notre pause de 15 minutes. Demain, ah ouais? Elle va mettre les séquences. Aïe, elle dit, on en parle. Moi, je veux le Instagram du B. Non, je veux pas de couilles. On sort avec ses petits. Je suis morte. En tout cas, ça c'était trop bon, les gars. Faut prendre. C'est à quoi? C'est un mélange entre chocolat chaud et café. Mon lunch du midi, oui, avec de la truite, des petits pois et je sais plus quoi. En vrai, ça a l'air bon. Enfin, j'ai déjà goûté, c'est bon. Coucou, trop laid d'aujourd'hui, on dirait un œuf. Ouais. On est blanche, regarde. On a des fentes. Par le front. C'est bon, je sais pas. Ça me dérange pas si on se rend d'abord à faire aussi à la rouge. Oh my god, les traîtresses. Ah ouais, comme ça, je me mets avec vous. C'est des traîtresses. Non, non, moi je suis donc là, on voit des traces et des marques de doigts. Moi je faisais genre d'écouter, des fois je la regardais droit dans les yeux. Bah moi aussi hein. Et on la regardait droit dans... Attends, et on répondait. Moi j'ai un train à 6, je suis vraiment heureuse. À 6. Coucou. Que je pense à acheter une maison. Ah, t'es magnifique, Rose. Je pense pas, non. J'ai plus de voix, genre vraiment. Genre. Regarde notre belle école. ISG à 3h20 du matin. J'ai plus de voix, c'est un galère. Demain au musée, ça va être fun. Ah, regarde en vélo. C'est ah, mais. C'est un rat de ma gorge. Moi aussi, j'ai un. Mais même moi. Comment c'est la galère le plus à vivre? On est sortie scolaire. Attends. Qu'est-ce qu'on fout à Villeneuve-d'Ascq déjà? Voilà. Je sais pas, genre louer un bus. Villeneuve-d'Ascq et on doit se démerder pour y aller. 20 balles le Uber en chemin. Ah, divisé par 3, ça va. Ouais, mais aller-retour. Tiens,
l'impression d'être parti entre copines faire du shopping. Oh, j'adore les journées comme ça. Mais il fait pas trop chaud, genre, il fait juste bien. Non, il fait beau. Vous avez vu Black Mirror ou pas? Non, on se croit dans Stranger Things, regarde le truc là. Oh, les gens ils sont locaux. On est grave dans une série américaine, ah, non, ouais, en mode ça. Au lycée. Et moi j'aime trop, c'est pour ça que j'aime bien la rap stress et minimaliste. Bonjour les Flavio, ça va. On dirait des stars. Salut les gars. On te reconnaît de loin voilà. Avec tes chaussures. Emma, ma copine de sport. Venez avec moi. Ça, je le paye 2 euros. Est-ce que la photo aura la même. Et la même chose. Petite sortie au musée de qualité. Oh, alors, de qualité. De qualité. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai exactement dit. De l'art. T'as dit. Je n'ai pas cette dimension. Mais de l'art abstrait, le minimaliste. Aucune dimension artistique. Du musée et j'ai plus de voix, c'est normal parce que hier je crois que j'ai un peu trop crié en sortant. En vrai, le musée, on a dû prendre le métro, on a dû se débrouiller. Genre, ils nous ont dit sortie musée, on a dû donner 2 euros, on savait pas genre ce qu'on allait voir, quelle heure, où, quand, comment, bref. Et l'intervenante elle nous a dit rendez-vous demain à Villeneuve d'Ascq. Bah, comment on y va? Du coup, avec des copines, on s'est dit, on part ensemble. On a pris le métro et le bus. En vrai, l'exposition était sympa, c'était de l'art abstrait, c'est cool, une petite sortie. En plus, genre, c'est ce que je disais avant, pendant longtemps, on n'a pas fait de sortie parce qu'avec le Covid, moi, la dernière sortie scolaire, entre guillemets, que j'ai fait, ben, je me rappelle plus, je sais même plus où c'était. Je claque, j'en peux plus. Cet après-midi, on doit faire un projet, on doit rendre un projet, on doit dessiner, prendre mes crayons de couleur. Et je crois que ce soir, je refais quelque chose. Soit je sors, soit je vois quelqu'un. Vous voyez mon état actuel. J'ai dormi 4 heures, je crois. Il est, je sais même pas quelle heure. Parce qu'entre deux, j'ai appelé la Fnac, je devais résilier un abonnement. Et ils m'ont saoulé. La bonne femme, elle était au téléphone. Oui, mais vous avez un ordinateur qui coûte cher, il faut une assurance. J'ai dit non, mais je souhaite la résilier. Pendant 5 minutes, la bonne femme est là. Oui, mais non. Non, elle voulait pas. Genre, elle voulait pas me résilier l'abonnement. Bref, il est quelle heure? Il est 13h01. Et les autres, ils sont partis manger dehors, mais j'ai pas trop la foi. Et j'ai toujours pas de voix. Genre, oh my. Indian vegan bowl. Ça va trop. Riz jasmin bio, organique, tofu, patate douce, trop bien. Yum. Oh, ça a trop. Regardez-moi ça, c'est en fait une sorte de poké, mais indien. Ça a l'air incroyable. Cette semaine de workshop. C'est pas du tout ça à l'école normalement. C'est journée A. Vous êtes inspirées les filles? Carrément. Non. Non. Tu veux l'aquarelle? Il va leur piquer. Et enfin. Tu vas faire ça. J'arrive pas. Mais si ça va. Ça devait être le meilleur week-end du mois. Enfin, ça devient le pire. Attends, parce qu'ils ont mis du coca zéro. En plus, il est tellement moins cher, 80 centimes. Oh, regarde, il y a du 7-Up Mojito, café au lait. Ouais. Vous aimez bien les bounties, j'espère. Vous êtes team bountie ou non? Eux deux, elles sont team bountie. C'est trop beau. Bah ouais. Mais moi, je suis pas team bountie. Voilà notre carte finale. On a la lettre à l'intérieur. Et après, on va le présenter à l'autre. Chez moi, tu vas voir. T'arrives, il y a un tableau de moi, un tableau de ma sœur. Ah ouais? Ouais, j'aurais voulu. Elle peint ou elle dit.
Bon les amis, j'ai clôturé cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. Moi franchement c'était trop cool, genre quand je regarde encore la vidéo et que j'ai déjà fait le montage, genre je me dis c'est des trop bons moments, je sais pas, les gens, j'adore ma promo. Vraiment c'est un truc de fou. Là on était plusieurs classes réunies pour le séminaire, mais de base ma classe on est 14. On s'entend tous extrêmement bien, genre on fait tout ensemble, on sort ensemble. C'est que le jugement c'est pas trop ouf et que ça peut être un domaine qui peut être très très vite jugé. Là les gens sont vraiment trop chou, genre ils sont trop bienveillants. Et bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu cette semaine avec moi au campus. Pourquoi pas en refaire d'autres pendant d'autres séminaires de workshop, parce que là c'était plus libre de filmer et de vous montrer ce qu'on faisait, parce que c'était, ouais vraiment c'était super libre, genre on n'était pas là assis sur nos ordi à prendre le cours, genre c'était vraiment de la mise en pratique. Mais pourquoi pas refaire ça, surtout qu'on a plein d'autres workshops de prévus bah, tout au long de l'année. Je sais que le prochain je crois c'est au niveau de montage vidéo, on a une semaine de montage vidéo, ma vie, moi je suis trop pressée, genre vraiment. Du coup les amis, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, mon deuxième compte Instagram, mon compte Food, mon TikTok pour mes mini vlogs productifs, et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, de le faire, ça soutient beaucoup les créateurs de contenu. Et aussi le plus important les amis, vous le savez, n'hésitez pas à commenter un maximum tout ce que vous voulez, votre ressenti face à la vidéo, de vous comment ça va, de vous peut-être les études, comment ça s'organise, parce que des fois on arrive en études sup et moi je sais que j'ai plein d'amis qui m'ont dit qu'en fait bah ils aimaient pas leurs études en fait, enfin c'est pas qu'ils aimaient pas mais c'est parce qu'ils voulaient faire plus tard, ils se sont rendu compte, donc c'est dommage, ou que à contrario vous vous épanouissez dans vos études, moi ça se passe très très bien. Bref, dites-moi tout ça en commentaire et puis bah moi les amis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, zoubi. You know that.